Hi, and welcome to another episode of Songs of the Week. My name is Dylan Lenny, your host today, and here with me is Maxence. Hi, Dylan. How are you doing today? Really good. All right. I'm very good. I'm really happy to finally meet you. All right. Me too, man. Yeah, so today's the first time that we're playing together. I hope we do a good job. I hope so. And today's show will be in French. Donc, à partir d'ici, on va continuer en français. Parle-moi un peu de toi avant qu'on commence le show. Tu viens d'où? Écoute, Dylan, moi, je suis un gars de la rive nord de Montréal. Je viens de Mascouche, Terrebonne et les environs. Puis, c'est ça, écoute, là, en ce moment, j'habite à Montréal. Puis, c'est ça, je suis un tripeux de musique depuis des années et des années. OK. Bon, c'est le fun, ça. on a ça en commun. Yes. Parfait. Puis, on commence avec quoi? Écoute, ça te tente-tu une toune qu'on joue ensemble au début ou... Moi, je serais partant pour ouais? ça. OK, parfait. Ben écoute, à ce moment-là, pourquoi pas un petit classique des colocs, la rue principale? Je serais partant pour ça. Oh ouais. Petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale, elle s'appelait Saint-Cyril. La coop, le gaz-bar, la caisse pop, le croque-mort, le magasin général. Oh, quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il a tombé une bombe sa rue principale, ouais, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. L'autre jour, j'ai emmené ma bien-aimée pour y montrer où c'est que j'étais né. Aussitôt arrivé, me flambe au joie le vert. Ça avait l'air de Val-Jalbert. Oh, quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il a tombé une bombe sa rue principale, ouais, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Une bonne journée, je vais y retourner avec mon bulldozer. Le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure. Wow, 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 baby. Avant l'avenue du centre d'achat, sur la grande rue, c'était plus vivant que ça. Des petits culs en basic, des cousines en visite. C'était noir de monde comme en Afrique. Oh, quand j'y retourne, c'est pathétique. Ça va donc bien mal, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le McDonald's. Ma petite ville, ils sont plus rien que 3000. Puis la rue principale est devenue bien tranquille. L'épicerie est partie, le cinéma aussi. Et le motel est démoli. Oh, quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il a tombé une bombe sa rue principale, ouais, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Une bonne journée, je vais y retourner avec mon bulldozer. Puis le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure. Wow, 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 baby. Dans ma petite ville, on était juste 4000. Puis la rue principale, la sable Saint-Cyril. La coop, le gaz-bar, la caisse pop, le croque-mort. Et le magasin général, oh, quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il a tombé une bombe, sa rue principale, ouais, depuis qu'on construit le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat. Ah, yeah. Ah, yeah. Un méchant classique. Yeah, man! ça part bien le show. Là. Yes, sir. C'est une bonne toune d'entrée d'une soirée. Là. Tout le monde connaît ça, peu exact. Importe t'es où. T'sais, pis même si tu la connais pas, c'est facile, ça groove. Pis... Exact. T'es un bar de chansonnier, gros classique tout le temps. Ouais. Fait que toi, je pense que t'es un habitué des bars de chansonnier. Écoute, j'en ai fait un peu. Je me considère pas comme un vrai de vrai chansonnier, dans le sens, j'ai pas la cuirasse endurcie d'un chansonnier qui a fait ça du
3, 4, 5 jours semaine pendant des années. Okay. Je suis le genre de gars qui remplaçait plus. Okay. Je pognais le spot d'un gars qui pouvait pas un soir que moi, j'avais pas de gig. Parce que dans le fond, avec mon band, les Jacks, on faisait ça à temps plein. On roulait tout le temps. Fait que c'était vraiment les soirs qu'avec les Jacks, j'ai rien puis qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se faire remplacer que okay, je pognais okay. du chansonnier. Puis sinon, on faisait un peu de solo parfois quand même, mais c'est vraiment plus là que je me suis retrouvé dans l'univers du chansonnier. OK. C'est pareil, vraiment intéressant. Ton band, les Jacks, ça, vous êtes combien dans le band? Au départ, on était 3. Là, maintenant, on est rendu 2, mais on joue presque tout le temps sur scène à 3. OK, OK. Ouais. Fait que vous engagez une personne de plus. Oui, c'est ça. On engage un contrebassiste avec nous. OK, puis, OK. Oui, exact. Ah, oh, ben c'est vraiment le fun, ça. J'ai hâte d'entendre ça. Yes, man. Yes. Fait qu'on continue dans quelle direction, là? Ben écoute, peut-être que je t'en ferai une petite, là. Ça, c'est une toune de Charles Aznavour, puis ça s'appelle « Emmenez-moi ». Ça, c'est un classique. C'est un grand classique, un mon pote. Un méchant classique. Puis je t'invite à chanter des bacs, là, si ça te tente sur la chanson, là. Écoute, je vais les chanter, mais du coin. Je te laisse le stage. OK, OK, OK. Parfait, mon pote, merci. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirages. Traînant un parfum poivré de pays inconnus, d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court tout devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment et que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles à languilles vous ravissent le cœur en vous tressant, m'a-t-on dit, de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai, laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré, en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La 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 li la li la la la
la la la li la la li la 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 li la 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 li la la li la 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 li la li la 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 li la la li la 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 li la 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 li la la li la 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 li la la li la la la. Oh wow! Magnifique, magnifique. Merci, mon pote. C'est le genre de musique que j'aime ça écouter parce que c'est de l'histoire. Mm-hmm. Pas juste dans le sens qu'il compte une histoire, mais c'est aussi dans le sens où est-ce que cette chanson-là, elle a joué dans combien de soirées? Ouais. Puis tu penses à ça, puis tu dis combien de personnes auront joué cette tune-là dans des événements spéciaux, puis qui auront entendu cette chanson-là, puis que ça les aurait remonté. Le moral, tu sais, c'est des bonnes pensées qui m'amènent quand que je pense à Charles Aznavour. Je suis pas capable de parler. Charles Aznavour. On va te laisser dire. Ah, c'est ça. Hey, donc, on parlait de ton band tantôt. Est-ce que ton band, c'est ton projet principal? Oui. OK. Mon band, les Jacks, avec Fred Dionne, c'est mon projet principal depuis... Ça fait 5 ans. Ça fait cinq ans à peu près qu'on travaille là-dessus. La pandémie nous a freiné bien raide, mais là... C'est sûr que ça l'aide pas. Ça l'aide vraiment pas, mais là, on revient d'assaut. Là. On est en train de travailler sur des nouvelles chansons puis tout. OK, donc faites du matériel original. Oui, on fait du matériel original, puis aussi des covers. Fait que les covers, c'est souvent ça qui nous permet de survivre là, dans le monde de la chanson. C'est ça. Les covers ouvrent la porte. Mm-hmm. Exact. Après ça, tu restes avec tes tunes. Exact. C'est une bonne manière de penser. Mm-hmm. Ouais. OK. Ben, on va définitivement vouloir entendre de tes compos plus tard. Ben oui, ça c'est clair. C'est clair. Moi, s'il y a bien de quoi que j'aime ça, c'est regarder quelqu'un puis dire « Joue-moi qu'est-ce qui sort de ton cœur. » c'est toi qui l'as écrit. Là. C'est bon, ça. Mais ben, en attendant, qu'est-ce qu'on joue? Hey, pourquoi pas une petite toune des Cowboys fringants qui s'appelle Étoile filante. Oh, ça, je suis très partant. Ouais, ça te tente? OK, parfait. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis, je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor, ces hivers enneigés à construire des igloos, puis rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dira que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Je m'arrête un instant pour te parler de la vie. Je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit, et que les rêves des petits culs s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans la moule. La trentaine, la bedaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire son mieux, n'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on se dira que l'on était finalement que des étoiles filantes. Parler de la vie, juste comme ça, tranquillement,
pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi, je suis bien et que j'ai pas le goût de m'en faire. Parce que, tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester avec moi, la nuit douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Oh yeah! All right. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué, cette tune-là. C'est une tune que j'aime vraiment faire un peu quand que tu vois vraiment que tu as un public francophone. Mm-hmm, ouais. Là, tu dis, OK, on veut mettre le party, on veut mettre un classique, mais en même temps, tu veux vraiment que le monde se mette à danser, parce que tu peux quand même la faire jouer vite. Puis mm-hmm. quand que je joue, moi, j'ai un kick. Fait que là, Ouais. Tu mets le kick dans le tapis, là, mm-hmm. puis c'est un peu ma tune de transition entre, OK, on est au resto, on a du fun, puis OK, là, on est dans un bar, puis on est sur le party. Kick ou pas kick, tu sais, quand tu mets le kick, c'est dans le party, puis dans le resto, c'est peut-être un petit peu plus juste git. Plus hi-hat, tu sais. Ouais. Mais c'est le fun pareil. ouais, c'est ça. C'est une bonne chanson. Ben oui. Puis Dylan, toi, ça te tente-tu? Y a-tu une chanson que ça te tente qu'on joue ensemble, peut-être, là? Je sais pas. Moi, tu m'as dit que tu connaissais Piano Man tantôt, ouais. là, puis ça m'a accroché, parce que c'est une de mes chansons préférées. OK. On serait-tu partant pour faire ben, ça? C'est ça. J'aimerais bien ça. Tantôt, on l'a jammé pour le fun, puis t'as chanté bien en motadine. Fait que j'aimerais bien ça qu'on la fasse ensemble, puis ben, merci. T'accompagner au piano. Puis, Parfait. Bon, on va faire ça. On va prendre mon harmonica. Ouais, sors ton harmon, man. It's 9 o'clock on a Saturday. Regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. There's some place that he'd rather be. He says, "Dill, I believe this is killing me." As the smile ran away from his face,
I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Oh, la 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 da dee da, la la da dee da da da. Sing us a song, hear the piano man. Sing us a song tonight while we're on. You've got us feeling all right. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife, and he's talking with Davy, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessman slowly gets done. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Oh, love. Solo. Sing us a song, hear the piano man. Sing us a song tonight while we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. It's a pretty good crowd for a Saturday as the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar. Hey man, what are you doing here? Oh, la la la, da dee da, la la, da dee da, da da. Sing us a song, hear the piano man. Sing us a song tonight while we're all in the mood for a melody. You've got us feeling all. Oh yeah! Piano Man, Billy Joel. Tu chantes ça comme un pro, mon pote. Ben merci, merci. On dirait presque que je fais ça tous les jours. C'est ça. Écoute, Billy Joel, j'aime ça, moi. Puis en plus, c'est exactement ça qu'on fait aujourd'hui. You are the piano man. Fait que, écoute... Billy Joel, là, quand j'entends ça, je perds mes mots. Je perds mes mots. juste le piano là-dessus, c'est vraiment exceptionnel. Là. T'es super bon. Ah, t'as-tu fait des études pour devenir aussi bon que ça? Ben écoute, c'est sûr qu'au départ, ça a été vraiment une envie personnelle. Là. Je tripais sur le piano. Moi, j'ai commencé vers l'âge de 15 ans à l'adolescence. OK. Puis là, j'ai commencé à jouer, puis j'ai commencé à triper. Puis là, j'apprenais plein de petites chansons. Puis là, justement, après ça, j'ai reçu une guitare aussi. Mon père, il m'a pogné une guitare. Là, j'ai commencé à jouer de la guitare en même temps, puis faire un peu justement des tunes de chansonnier, puis m'accompagner au piano et à la guitare. OK, OK. Fait que souvent, moi, quand je joue quelque chose, je le joue à piano, au piano puis à la guitare aussi. T'sais, je le joue à tous les instruments parce que ça me permet, on dirait. J'ai tout le temps trouvé que quand je progressais sur un instrument, je progressais sur l'autre, même si je n'avais pas joué dessus. Ouais, c'est vraiment cool, c'est vraiment cool, là même. Ouais, fait que j'ai commencé comme ça le piano, puis après ça,
Plus tard, j'ai découvert le blues, j'ai découvert le boogie-woogie, j'ai découvert le rock and roll, toutes ces affaires-là. Puis moi, après ça, je suis vraiment parti dans ce style-là qui me ressemble beaucoup. Là. C'est très enflammé. Là. OK, OK. Ouais, fait que c'est comme ça. Puis ensuite, tu m'avais demandé pour des études. Oui, je me suis retrouvé au Collège Lionel Groulx en musique. J'ai fait une technique là-bas en piano. OK. Et est-ce que tu dirais que ça a vraiment changé comment est-ce que tu joues, aller là-bas? Certainement, parce que ça, en fait, je pense que qu'est-ce que ça fait aller aux études en musique, c'est vraiment que ça te montre une méthode de travail, puis aussi, ça t'apprend beaucoup sur les ancêtres de la musique, d'où ça vient, l'histoire de la musique. Moi, j'ai trouvé ça très passionnant. Ça m'a beaucoup... ça m'a poussé à aller chercher, dans le fond, mes racines, tu sais, puis d'aller écouter du comment que ça a commencé. Tu sais, ça a commencé avec le ragtime, le blues, toutes ces affaires-là. Ben ouais. Ça a commencé avec, tu sais, aux États-Unis, les Afro-Américains, puis tout, qui ont commencé. En tout cas, fait, l'histoire de la musique est vraiment riche puis incroyable. Pis c'est vraiment le fun de se nourrir de ça pour en jouer. Écoute, on a quelques podcasts qui jouent en ce moment à la station radio, dont le podcast à Karen, qui explique beaucoup... Okay. L'histoire de la musique. Et c'est tellement intéressant. On pourrait en parler pendant des heures et des heures et on n'aurait pas fini. Effectivement. Puis, chaque décennie, chaque année, il y a quelque chose qui change. Fait que toi, tu dirais que t'es comme un bluesman ou plus un rockman? Écoute, moi, je suis pas... Quand je dis rock and roll, là, c'est vraiment rock and roll. Dans le sens, là, tu sais... Ouais. C'est le genre de rock and roll là, les pianomans de ces années-là, là, ça m'a marqué vraiment. Ben moi je trippe. Goodness gracious, great balls of fire. Oh, oui, c'est ça, check, on peut bien la faire. Alright, mais moi je te regarder faire. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives the mains insane. You broke my will, oh what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I laughed at love when I thought it was funny. But you came along and you moved me, honey. I changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Hold me, baby. Feels good. Hold me, baby. Let me love you like a lover should. You can, so fine. I'ma tell this world that you're my man. I chew my nails and I twiddle my thumb. I'm really nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. Goodness gracious, great balls of fire. Like a lover should. You're fine, so kind. I'ma tell this world that you're my mine. I chew my nails and I twiddle my thumb. I'm really nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. Goodness gracious, great balls of fire. Oh yeah! Yeah! Écoute, je te suivais pas du tout. pas de problème, mon Dylan. J'ai essayé, là, mais je t'ai pas suivi. Ah, mais c'est correct, chacun son style. T'sais. On a chacun un autre style de musicien, puis c'est vraiment correct. Ben ouais, c'est ça qu'il faut. C'est ça qui est le cool quand deux musiciens se rejoignent. C'est qu'on est capable de trouver l'entre-deux. Pis... Ouais. Moi, j'ai jamais trouvé un musicien qui trippe pas sur la musique des autres. Mm-hmm. Tu sais, c'est de la musique, c'est de la musique. Puis même si tu vas dire, OK, ouais, ça, c'est pas ma musique, mais je vais t'écouter et je vais avoir du gros fun. Mm-hmm. Puis moi, pareil, c'est proche, pareil, parce que moi, je suis plus dans le rock 90, moi. Mm. Tu sais, OK, un peu grunge, un peu grunge, un peu. Tu sais, 80-90. Nirvana, Bon Jovi. Okay. Pink Floyd, là mm-hmm. je sais que ça, c'est pas 80, je sors un peu de ces années-là, mais tu sais, un peu plus rock, mm-hmm. Get Electric. Mm-hmm. Ouais. J'ai vraiment commencé à Get Electric. OK. Puis c'est plus tard que j'ai pris une guitare acoustique, puis que je me suis mis à chanter, puis là, je me suis dit, ben, tu sais, ça chante mal avec une guitare électrique quand t'es tout seul. Fait mm-hmm. que, ouais. C'est là que j'ai vraiment plus transitionné au pop, puis pop rock.
OK, mais ça paraît, je l'ai vu dans ta voix, parce que la facilité avec laquelle tu chantes Piano Man, qui est quand même une chanson que, personnellement, je trouve haute. Je trouve ça dur à chanter, parce que c'est tout le temps un peu dans... Tu sais, c'est en bas, puis après ça, dans Pam, en haut. C'est ça, c'est... Fait que ça paraît que t'as un background de Bon Jovi, puis tout. Ça te tente-tu de me faire un petit bout de quelque chose, peut-être? Ou une toune de... Ce que tu veux, là. Une toune de Bon Jovi. De Bon Jovi ou Nirvana, n'importe quoi. Un petit bout... Moi, j'aurais un petit Bon Jovi. En plus, il y a du bon piano là-dedans. Tu connais-tu Living on a Prayer? Elle est en quelle tonalité, cette chanson-là? Once upon a time, not so long ago, it's tough, so tough. Gina works at diner all day, working for a man she brings home to pay for love, for love. Gotta hold on to what we've got. Doesn't make a difference if we make it or not. We got each other, and that's a love for love. We'll give it a shot. Oh, we're halfway there. Well, living on a prayer. Take my hand, we'll make it, I swear. It's tough. Gina dreams of running away. She cries in the night. Tommy whispers, baby, it's okay. Someday. Says you gotta Ça, c'est dans mes racines. Ah, ouais, ça paraît. T'as du fun à chanter ça. Du gros plaisir. Merveilleux, man. Merci de me l'avoir fait.
Ah ben, ça me fait plaisir. Maintenant, je pense que c'est à ton tour de, ah, ben oui. de m'en faire une. Ben oui. Ça te tenterait-tu de me jouer une petite compo? Ah, ben oui, une petite compo, pourquoi pas? Ben oui, puis tu pourrais nous l'expliquer avant? Ben oui, ben oui. Ben là, c'est parce que là, la compo que je m'en viens vous faire, si je vous l'explique trop, ça vend le punch. OK, bon, fait... ben, on en parlera après. Ah ouais, vous allez voir, vous allez voir. C'est une chanson qui ne nécessite peu de présentation, peu d'explication. Mesdames et messieurs, voici l'histoire d'un jeune homme. Un jeune homme, disons plutôt, tiraillé par les femmes et l'alcool. Et ce jeune homme se retrouva dans un établissement où il y avait les deux. Ah, c'était dans une petite grenouille. Il fait pas mal frisquet ce soir. J'ai pas de briquet sur moi pour allumer un feu de joie. Allumer ce qui reste de moi. Disons que j'ai perdu mon éclat. J'suis pas dans mon meilleur état. Et je me suis mis les pieds dans les plats. L'histoire débute lors d'une soirée plutôt arrosée. J'avais fait faire la culbute à plus d'un verre le long de mon gosier. Disons que je donne pas ma place quand c'est question de dérailler. J'avais la démarche d'un animal invertébré. Et puis je t'ai vu au loin, au milieu de la cohue. Charmante demoiselle devant un verre à moitié bu. Je me suis senti happé par une force inconnue. Je pense que la vie est arrangée avec le gars des vues. Je me dis que c'est le destin qui frappe. J'ai enfin déniché ma douce. Ma vie va changer de cap. Merci Seigneur pour le coup de pouce. Mais mon Dieu, ma foi, c'est que mon esprit qui me joue des tours. Avant de lui passer la bague au doigt, je devrais peut-être lui dire bonjour. C'est alors que je m'élance. Je titube dans sa direction. Salut, je m'appelle Maxence. Pardonne mon haleine de houblon. C'est là qu'elle me devance. Voyant bien que je tournais en rond, elle me refile son numéro. J'en ai presque sauté au plafond. Et puis ensuite, on s'est revu quelques fois. Je suis plutôt optimiste, je crois que j'ai le profil de l'emploi. On est deux opposés, comme le chaud et le froid. Elle est assez réservée et moi un peu fou du roi. Elle me parle de voyage et voudrait partir au loin. Avant que l'ouvrage lui arrache ses rêves épicuriens. Il y a l'univers dans ses yeux verts et moi j'ai l'air d'un sans-dessin. Je la dévisage sans manière, un peu comme si j'avais faim. Je suis un grand maladroit sous le regard féminin. Je vous jure à toutes les fois, je me fous dans le pétrin. Je sens qu'elle prend ses distances vu la puissance de mon béguin. Mes amours comme mes finances, après dépenses, il reste plus rien. Et voilà comme de fait arrive le moment fatidique. C'est maintenant qu'elle m'admet sa position politique. Elle me dit que je lui plais, mais sans plus de poésie. Et d'un coup de balai, me voilà dans la zone amie. Ah, friend zone. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. Ça fait un peu chier. Pas mal frisqué ce soir. J'ai pas de briquet sur moi pour allumer un feu de joie. Allumer ce qui reste de moi. Disons que j'ai perdu mon éclat. J'suis pas dans mon meilleur état. Et je me suis mis les pieds dans les plats. Mesdames et messieurs, c'était ma composition Zone Ami. Wow.
J'adore. C'est, tu comptes une histoire, t'as un début, t'as une fin, j'aime ça. C'est très Billy Joel. C'est merci. Très Elton John, c'est très... j'aime ça. Merci. Surpris. Je m'attendais à ce que ça soit bon, parce que j'ai déjà entendu des affaires de toi, puis j'étais impressionné, mais merci. Là... T'as été plus haut que mes attentes. Je m'attendais pas à ça. J'ai trippé bien raide avec ça. J'espère que vous avez aimé ça, vous autres aussi, à la maison. Je le souhaite aussi. Ben ouais, écoute, c'est super bon. J'espère... Y a-t-il des places qu'on peut trouver ça, cette musique-là? Ben oui, écoute, dans le fond, on l'a enregistré là, avec mon groupe Les Jacks. Donc, vous pouvez trouver ça partout sur notre dernier EP qui se nomme Aller Simple. C'est sur toutes les plateformes, Spotify de ce monde, iTunes Music, c'est partout. Bandcamp aussi. Comment? Bandcamp aussi. Ouais, Bandcamp, je suis pas certain qu'ils sont là. Okay. Bandcamp, je suis pas sûr, mais ça se peut. Puis, c'est ça, dans le fond, vous pouvez trouver ça sur toutes les plateformes. Puis, c'est le nom du EP, c'est Aller Simple. Le nom du groupe, c'est Les Jacks. OK. Puis, est-ce que c'est Les Jacks avec un X ou C-K-S? C'est J-A-C-K-S. OK, Les Jacks. Ouais, Les Jacks. OK. Exactement. Ben, écoute, moi, je te garantis que après le show, m'en va écouter ça. Ah, malade, merci. m'en va acheter ça, va écouter ça dans mon char en revenant. Là. Ça, c'est sûr et certain. Donc. Ben oui, on joue-tu une petite toune ensemble? Je pense qu'on est dû pour en faire une ensemble. On va en faire une petite dernière, puis après ça, on va prendre une pause. OK, parfait. Je regarde notre petite liste, là. Ah, ben écoute, il y en a une qu'on a jamais ensemble tantôt. C'était Sur mon épaule, des Cowboys fringants. Oui. On pourrait jouer ça ensemble, ça serait cool. Je te suis. Parfait. Okay. On ne dira pas à personne que tu triches. Ah, c'est ça! Tu te souviens de ce temps où la vie te semblait plus sweet? Tout ça fait déjà un moment. Des fois, on perd le beat. Pour fortune, t'avais 30 sous et que le bonheur tenait dans ta poche. C'était bien avant de comprendre que tout tient avec de la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle. Toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face aux vents d'hiver. Ensemble, on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seule au monde. Ici-bas, quand on écope, ça a l'air qu'on apprend de la souffrance. C'est sûrement rien que la psychopop. Au fond, rien n'a de sens. Mais juste ce soir, je l'ai vu, le mouchoir de larmes dans ta poche. J'aime pas ça, savoir que tu tiens avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seule au monde. On vieillit, les années passent, et chacun de nous fait comme il peut. On court, on tombe, puis on se ramasse, on essaie d'être heureux. Toute une vie patché les trous, du temps qui s'enfuit de nos poches, dans un monde qui partout c'est avec la broche. Mets ta tête
sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face aux vents d'hiver. Ensemble, on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seule au monde. Yes, sir. Yes, sir. Merci beaucoup. Donc, voici Maxence. Mon nom, c'est Dylan Nenny. Je suis votre animateur et vous êtes en train d'écouter CIDI 99.1 FM, Brom-Missisquoi's number one community radio. On se voit dans pas long.